Le projet MeetNeet a une application conjointe, en particulier NEET, identifiée sur l'ensemble du territoire du San Beneventano, y compris des jeunes provenant de situations de marginalité post-COVID-19, étrangers, demandeurs d'asile, femmes victimes de traite, âgées de 18 à 29 ans. Pour être précise, 24 hommes et 26 femmes, dont 31 Italiens et 19 étrangères, entre demandeurs d'asile et titulaires d'une protection spéciale ou d'une protection subsidiaire. Une jeune femme albanaise, trois jeunes du Bangladesh, un garçon et une jeune fille nigérien, neuf jeunes gambiens, deux garçons du Mali, un de Somalie et un de Sénégal. MeetNeet a également impliqué Street Artist, le bureau diocésain de la pastorale sociale et du travail, la Caritas diocésaine, les communes de Cusano Mutri, Fragneto Monforte et Telese Terme, les comités Telese Cité de l'eau, le garnison Libera contre la mafia, école locale, étudiants et experts en matière d'environnement. Le projet s'est déroulé en 5 étapes. La mise en place du réseau et l'identification et l'engagement des jeunes NEET. Partage des objectifs, promotion, communication et approfondissement du projet et des thématiques sous-jacentes. Inclusion, promotion des droits de l'homme, respect de la création, durabilité environnementale, bonnes pratiques. Des activités non formelles et workshops de stencils, de sérigraphie et de recyclage créatif et journées écologiques. 15 artistes ont participé, dont l'artiste italien Biodipi et l'artiste gambien Nurubi. Hello viewers, my name is Mohamed Sissé, aka Nurubi. I am a street artist. I do stencil and serigraphy. Yeah, serigraphy like this one here. And I do stencil too. Ce que nous vous montrons sont les 7 murales et les 8 panneaux conçus et réalisés avec la participation de 30 jeunes, principalement NEET, divisés en groupes de travail, dans ces fantastiques lieux préservés situés sur les pentes du Mont Matese, gérés par APC00 de Cusano Mutri, dans le cadre de la manifestation Ortica 2021. Time is up, we don't have a planet B. Les artistes Biodipi, Nurubi et JSD ont également conçu et réalisé, toujours avec la participation d'un groupe de NEET, une fresque à l'Institut Sanium de Fragneto Monforte. Les œuvres réalisées lors de l'événement Ortica 2021 illustrent les décalogues de bonnes pratiques. 10 règles simples pour respecter l'environnement et pour aider notre planète, construit avec un groupe de 21 jeunes, promu également dans l'école du territoire. I am BDP and I am proud to have been art director of this event. And I want to say to everybody, time is up. Nous en plaisirons d'être ici avec vous et nous espérons que vous avez aimé faire un tour dans notre région. Merci beaucoup à tout le monde de l'association L'Agora di Vigenta.